The Adventures of David Perkins. Like, subscribe, comment. Dans le bourg des Nouvelles Empires, cette vallée s'appelait Tasset-Necheron. Ça veut dire que le pélan de roi. Mais dans le bourg des Nouvelles Empires, cette vallée s'appelait le pélan de roi. D'accord, c'est le pélan de roi, c'est joli, c'est très magnifique. Les pélan de roi, c'est très joli, c'est très nice. Nefertari, c'est la tombe de Nefertari. C'est Nefertari, l'opposé de Ramsès II. C'est la première reine qui a fait enterrer ici dans cette vallée. C'est la première reine qui a fait enterrer ici dans cette vallée. C'est opposé de Ramsès II. Sa épouse, c'est Ramsès II. His wife, c'est Ramsès. His wife, c'est Ramsès II. Comme c'est Ramsès II. Ok, les deux Nefertari. C'est la tombe d'Amon Erkabeshev. C'est la tombe d'Amon Erkabeshev. C'est le fils de Ramsès III. Mais il est mort très jeune, à l'âge de 11 ans. Cette tombe s'est préparée pour sa mère. Mais son père, c'est Ramsès III, est décidé d'entrer dans la même tombe qui était préparée pour sa femme. Il est mort très, très jeune. Dans la tombe, il y a un petit fœtus. Ce petit fœtus, il est mort. Momification du petit prince défunt, parce que son père, il est mort. Par hasard, ce fœtus, c'est aussi, il est mort pendant les 60 jours de la momification du petit prince. C'est pour ça que son père s'est décidé d'entrer dans la même tombe. Aussi, il y a de la tombe des Titi. La tombe des Titi, c'est opposé de Ramsès I et Ramsès II. Queen Titi was the daughter of Setnakhtay, the founder of the 20th dynasty. Titi married her brother, Pharaoh Ramesses III, and together they had four children. Prince Amon-Hir-Khopshef, who would become Ramesses IV, Prince Kha-Emwast, Prince Amen-Hir-Khepshef, and Prince Seth-Ir-Chop-Eshfu, who would also eventually reign over Egypt, however briefly, as Pharaoh Ramesses VIII. Ici, il y a tombe de Kamoisset, c'est la tombe de Kamoisset. Aussi, c'est les autres fils de Ramsès III. Aussi, il est mort très jeune, à l'âge de 2 ans ou 3 ans, exactement. Prince Kha-Emwast was the son of Pharaoh Ramesses III and Queen Titi. During his life, Prince Kha-Emwast trained as a priest to Ptah in Memphis in the north of the country. Ptah was the Egyptian demiurge. The story goes that Ptah conceived the world by thought from his heart, then gave life to the world by his magic word. Ptah was also the god of craftspeople and architects. Ptah is represented in the form of a man with green skin. Ptah has a divine beard, their words, not mine, and is dressed in a white shroud. The god holds a staff combining three powerful symbols, the Wos, a scepter of power, the Ankh, the symbol of life, and the Djed, the pillar of strength. Qu'est-ce que vous allez voir sur la tombe de l'Amon Erkabeshev? C'est la tombe de Amon Erkabeshev. Elle se compose de lentes, c'est la couloir, là, dans un couloir, ou bien un corridor, et à la fin de la chambre de l'entrement. De la chambre de l'entrement, il y a un sacrophage. Un sacrophage, c'est un granit. C'est le via des Assoirs, parce que c'est Hatshepsut, c'est voyager aux Assoirs pour les englober de Opélesque. Cette tombe n'est pas touchée, n'est pas restaurée depuis 1200 avant Jésus-Christ. Pas touchée, pas restaurée, parce que c'est le colère. C'est dans la tombe de Amon Erkabeshev. C'est le petit prince, c'est le crâne rasé. Il n'y a pas de cheveux sur la tête, c'est le crâne rasé. Avec son père, c'est traduit par son père devant la différente dieu et dièse. Prince Seth-Ir-Chop-Eshfu was the son of Pharaoh Ramesses III and Queen Titi. Prince Seth-Ir-Chop-Eshfu would later become Pharaoh Ramesses VIII. This tomb in the Valley of the Queens was made before he became pharaoh, and clearly with the expectation that he would not succeed to the throne. But after the death of his nephew Ramesses VII, son of his brother Ramesses VI, Seth-Ir-Chop-Eshfu became Ramesses VIII, and consequently this tomb was never used. Ramesses VIII reigned for less than 2 years, most likely passing away whilst in office. His tomb in the Valley of the Kings remains hidden to this day.